Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode d'Elite Dangerous 2.2.01. Euh, nous allons donc partir. J'ai un total de. Euh, je crois que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 normalement. Hein, 16. 16 missions au total. A rendre euh, cette fois-ci, non pas à Diamond Vision, mais euh, à Dog Love Point, il me semble de mémoire hein, le nom. Euh, hop. J'ai essayé d'en trouver plus, hein, mais ça fait 40 minutes que je recherche des missions, enfin que je fais des tours dans toutes les sessions du, du, que j'ai du jeu. Et euh, pour la première fois de ma vie, je trouve, euh, je trouve des centaines de missions pour Diamond Vision, mais très très peu pour euh, Dolg of Point. Euh, du coup on a vraiment pas de bol. Hop, euh, j'aimerais, voilà, crac. Voilà, hop, on y va. Toujours pas d'infos quant à l'arrivée du colis. Hein, euh, je pense que je vais. Je sais pas si je vais être prévenu en fait de, de l'envoi. Pense... Oh la vache! Et c'est là qu'on se rend compte que ce vaisseau est balèze. Excuse-moi l'ami. Je passe. Hop. Crac. On est bon. On rentre le train taissage et on y va. Alors j'ai pas réutilisé vocal ni le lot de. Le, comment le. Le logiciel que j'utilise pour lancer mes euh, modes visuels, graphiques, tout ça, euh, tout simplement parce que j'ai l'impression que ça va faire bugger le jeu, j'ai peur que ça fasse bugger le jeu. J'ai essayé de contacter le, le développeur du, comment, du, du mode loader qui ne me répond pas, qui est français, mais qui ne me répond pas sur, sur son Twitter, c'est dommage. Euh, J'aimerais bien avoir de ses nouvelles, mais bon, c'est comme ça. Il répond pas à ses tweets, il n'a pas fait de tweet depuis le, je crois que le 9 septembre. Du coup, c'est pas bon signe. Je peux comprendre que le mec, il ait fait ça pendant ses vacances. Mais ouais, c'est un peu dommage. J'aurais bien aimé un petit suivi derrière. Mais bon, c'est comme ça. Euh, je suis désolé, je me suis niqué l'œil. Je sais pas ce que j'ai. J'ai hyper mal à l'œil. Bla. Donc j'ai de me le frotter un petit peu souvent. Bla. Je vais avoir l'œil bien niqué en plus, d'ailleurs. Montre-moi. Montre-moi, moi. Montre -moi, moi. Oui, j'ai l'œil tout rouge. OK, c'est cool. Ah Non Ah, c'est livraison de données. Faut que ce soit que livraison de données. Faut pas que ça m'envoie euh... Ah bah non, mais en fait la mission euh... tu vas l'envoyer, tu vas la tu vas livrer tout ça là-bas, mais pas, pas ici dans, dans 300... à 300 années-lumière à peu près. Non, ça je veux pas. Ça je, je veux garder mes missions euh, au bon endroit. C'est bon. Et donc je suis maintenant un petit peu, parce que je, moi j'ai acheté un petit peu de, de, de réputation à 72 points, hein. donc j'ai gagné je crois 7 points, 5 points. Rien de bien épique hein, si je puis dire. Hop alors On va pouvoir visiter une autre station, euh, enfin une autre euh, un autre comment, avant-poste terrestre, enfin planétaire, on va dire, parce que terrestre ça sera en rapport avec la Terre. Euh, je pense aussi tenir un journal de bord, chers amis, que j'afficherai peut-être en début de vidéo. Euh, je verrai comment je vais, je vais faire ça, mais euh, euh, on verra, on verra, on verra. Euh, qui tiendra en fait un petit peu en, en... Qui vous tiendra un petit peu en information, au jus, vis-à-vis euh, -vis des différents points, par exemple, euh, pour tout ce qui est Sotis, pour tout ce qui est euh, Adity, pour tout ce qui est... Euh, alors, je l'ai noté quelque part, mais je crois que c'est Neutis. J'ai noté dans mon téléphone. Euh... Non, j'ai noté sur le PC. Euh... Donc voilà, tout ce qui est en fait euh, lieu sympa pour tout ce qui est euh, grind, etc. Grind ou information en règle générale. Le, le chinois, vous avez la, la réduque, etc. Gardez ça toujours, euh, vous savez, en premier plan, par exemple au tout début, genre entre le, la vidéo d'intro et euh, la, le début de la vidéo, avec une animation, avec écrite pourquoi pas en orange, comme tout ça, etc. etc., etc., etc. Faire un truc dans ce genre-là, tout simplement. Et voir euh, si euh, ça peut le faire. Alors on y va. J'aimerais bien qu'il freine un petit peu. Je voudrais pas à me cracher dans la planète encore. Et je crois que je vais m'y cracher. Voilà. Alors pourquoi est-ce qu'il fait plus le truc comme il faut Je sais plus. Est-ce qu'il y a quelque chose que je loupe Parce qu'il faut que je freine plus que ça. Euh, bon, bah, je, je verrai, je, je vais encore perdre des points de dans du, de, de coq, tout ça. Ah non, même pas Ah si, voilà. Bon, c'est pas grave, on est à 50 km. C'est pas comme si on était trop loin Pleine puissance, monsieur Zulu. Hein. Hop, enfin bon, c'est pas, pas trop important. Euh, ouais, donc tout ça pour dire que je tiendrai peut-être ce journal de bord, et on verra euh, si oui ou non. Je suis à même de, de le tenir à jour avec vos, indi vos indices, vos indications, vos, vos conseils. Donc voilà, il faudra juste que je me renseigne sur l'animation du texte, etc. Je voudrais faire un truc qui a de la gueule quand même, pour garder le petit côté privé un petit peu... Enfin, pardon, pas privé, euh, professionnel si je puis dire, de la chose. Mais, mais bon, on verra, on verra, on verra. Je sais pas si... Allez du coup faut que je garde la... Hop. Ah la vache, c'est chaud. Il dire qu'il y en a qui font des courses comme ça avec le Flight Assist Off. Alors moi qui pensais que je gagnerais en vitesse à force de faire ça comme ça semblerait que non. Hein. Vu qu'après tout, j'ai pas. Enfin, je sais pas. Moi qui pensais que je en vitesse, tout simplement. Je veux savoir si je le lance. Vous avez vu comme moi un truc bizarre ou pas là Un T6. D'accord. Bon, c'est pas grave. J'ai... J'ai dû halluciner, je présume. Euh, hop. Allez, va te garer. Elle est sympa, cette toute petite station. J'aimerais bien qu'il y ait vraiment des grosses, grosses villes, mais vraiment même encore plus grosses que celles qu'on a pu voir, celles qu'on a pu visiter. Réellement quelque chose de gigantesque avec un peu plus de vie peut-être au sol. Quitte à ce que ce soit sous des bulles de VA, etc. Vous savez, par exemple des trajets sous des bulles de verre ou n'importe quoi. Mais vraiment quelque chose qui soit plus vivant au sol. Ce serait vraiment agréable. Avec pourquoi pas euh, des, comment, des petits chasseurs, les, les nouveaux chasseurs de la 2.2 en, en vaisseau de défense sur ces planètes, ce serait vraiment cool. Plutôt que que des drones en fait. Avec le truc stupide du fait que quand vous venez sur la station, il y a deux personnes qui arrivent, euh, deux chasseurs qui viennent à côté comme ça. On va aller se poser mec, hein, t'as rien à foutre là. <laughs> ça pourrait être sympa. Entrer dans l'hangar, service de spatioport, on va aller rendre toutes ces quêtes. Donc je rappelle qu'on est à peu près à 1 100 000, que nous avons actuellement 72 points de réputation. On va rendre l'intégralité des quêtes. Et on verra bien ce que ça va donner. Je pense qu'on va monter au niveau 100%. Hop. Ok. Ah, ça c'est plutôt bon si normalement. 92 points. Voilà. Hop. Et à côté de ça, on se sera fait à peu près euh, 500 000 crédits. Ça va. C'est rentable. 100%, nous avons donc notre rang maximum. Cool Cool, cool, cool. Et en plus, avec le nombre de missions qu'on a là, on devrait être à même de trouver euh, une mission la prochaine fois pour gagner euh, notre rang. Ça, c'est cool. Ouh C'est des gens sympas par là, dis donc hé 48 esclaves pour gagner un million de crédits. Faudrait que je les amène où? Oh c'est loin. C'est pas rentable pour moi alors. Ok, ok, ok. Mais bah, dis donc, il faudrait que je vienne plus souvent ici en fait. Doll of point c'est véritablement mieux que Diamond Division. Ok bah écoutez les amis du coup, maintenant qu'on a augmenté, donc on a fait à peu près 530 000 crédits. Euh, et euh, bah, les, les pourcentages restants euh, pour ce qui est de notre rang vilain, donc le rang 3. Euh... Le rang 3 je crois oui. Euh, il faut qu'on soit au rang 7 pour avoir le clipper hein. Euh, donc on va passer au rang 4 je pense dans le prochain épisode en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo c'était Marcus Bonus dans la Playroom à plus pour nos aventures salut les gens et yo